frictorifique. Ah ouais. Ouais. Sur ma chaîne de YouTube, alors je balance. Ah oui, ah, ouais, bah, voilà. Ouais. C'est du son, on va pas faire, non? Ah oui, c'est bon, mais bon. Mmh. Ah bah non, au contraire. Tu vas faire un des commentaires quand même. Ah oui, donc c'est un très vieux pigeonnier, 15e siècle, avec 3 tours. Et l'endroit, et ça sert à quoi? Ouais. Ouais, il y a quelqu'un, oui. Passer l'autre côté, France, si tu veux. Vieux pétage. Ah oui, bonjour. Bonjour. Le pétage en terre cuite, là, où t'as vu? Ouais. Je peux passer par là. Oui. Alors, si par là, ils sortent les... 2, 3... Ah non, il y a 4 tours. Ah ouais. 4 tours. Ah ouais, ouais, c'est 4, ouais. Ah, il y en a 4. Ah ouais. Au plein de champs de blé. Le toit. Ouais. Attends, c'est de la pierre. Ça, c'est de la pierre, le toit. Ah ouais, ah ouais, ouais. C'est de la pierre. Ouais. Ouais, c'est bien. Ah, hein. Ah, ouais. Ah, nous on habite à côté là. Ah ouais. Mmh. J'ai amené mon ami pour lui montrer le pigeonnier de Planguenoual. Ah, c'est Colombier. 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 Parce que le gamin, il en a vu un pigeonnier, mais ici j'ai vu le panneau, c'est oui, Colombier. Colombier, Colombier. Ouais, ouais, c'est un Colombier. Ouais. Oui. Alors c'est pour la différence, si c'est une question d'appellation ou... Alors là, c'est une bonne question. Ouais, parce qu'en fait, les nobles, bah, ils avaient l'habitude de construire des pigeonniers, ouais, hein, pour afficher leur puissance. Ah oui, c'était... Parce que c'est au nombre de boulins, au nombre de trous. Ouais. Que les nobles se valorisaient, quoi. Se valorisaient parce qu'un trou correspondait à un acre de terre, enfin je sais pas si c'est un acre. Un trou correspondait à une surface donnée. Ah, et plus il y avait de trous, ça voulait dire qu'il avait un domaine immense. Ah ouais. Jusque-ci, on a compté combien? 6. Et là, non, ils sont à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Je sais pas s'ils sont à l'intérieur, c'est toute beauté. Là, vous allez ah ouais. Ah bah merci, oui. Ouais, on va les trous. Ouais. Pas mal au dos. Hein. Ouais. Oh là. Ah bah merci. Ah ouais, vraiment. T'as vu quand ils construisent des murs? Ah ouais. Ils font ça par étapes. Ils posent des pierres comme ça. T'as vu? Ouais. Ah ouais. Des petites rochers. Ah ouais, des rochers plats, hein. Ouais. Mmh. Ouais. Là, regarde, tu vois. Ouais, exactement, ouais. Ah bah voilà alors l'entrée. Ah, ça c'est l'entrée. Ah. Bon, on va rentrer. Hop. Ah ouais. C'est bon, hein. Oh oui. Ah d'accord. T'imagines un peu la quantité de pigeons qu'il devait y avoir là-dedans? Ah oui, bah... C'est sûr, elle dépasse 1000. Ah ouais. Et tu comptes dans une tour. Ça va, je vais m'amuser à compter sur une tour déjà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il y a combien de temps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors 18 par 9. Ça fait combien 18 par 9? T'as pas de calculatrice sur ton... Oh non. Je mets pas... 18 par 9 par 4. Ah ouais. Au plus, hein, les côtés. Plus, ouais, ça. Les côtés, ouais. Alors les côtés, après, il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, qui sont pareils. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. 10... Attends, j'ai un crayon, je vais le marquer. Ouais. Comme ça. Alors chaque truc contient un pigeon. Ah ouais, vraiment. Tu allais fermer ta voiture? Oui. Allez, je vais recompter. Ah ouais. Du coup. Moi je dis ici à peu près. Donc là il y en a 9, là aussi c'est pareil. On peut dire 2050. Là. Ouais, c'est pareil. 3, ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 18, c'est ça que je disais tout à l'heure? Oui. C'est bien ça. Donc 18 par 9. Par 4. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pareil. 20, ah bah même 20 en ré du sol. Regarde, tu vois, même 20. Là, cache les pigeons. Ah, c'est une ah, c'est beaucoup de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah non, il y en a 19. C'est marrant, là, il y en a 20. Ça veut pas dire que ce côté-là, c'est comme là. Ouais. Et là, puisque là, la porte. Ouais. Donc là, la porte, elle est. Vous avez 19 de l'autre. Ah oui, parce qu'il y a une rangée de plus là-haut, avec la coupe. Ah oui, voilà, c'est ça. Une rangée de plus en hauteur. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était ça en blanc. Hein. C'était pas un lachot. Il y a de la chaux avant. Non, il y en a combien là? 1, 2, 3, 4. Ah oui. Chaque fois de 10 par 4. Le système commence à se faire. Donc là ça fait 5 fois de 10, ça fait 100. Par 19, ça fait combien? 18 par 19, 9 x 8, 8 x 8, 64, 9 x 8, 72, 9 et 7, 16, par 4, 4 x 8, 4, 32, 64. Tu disais combien toi que tu pensais qu'il y avait de moulins? J'ai dit 2050. Eh ben il y en a 1048. 1048. Ah waouh. Ça en fait quand même beaucoup. Hein. Ah ouais. Alors et chaque... encore un peu moins de 1048 parce que là toi il y a la porte. Ouais. Donc en fait c'est pas par 4, mais bon, en gros quoi. 1000. Ah ouais. Et chaque trosse sanifiée. Un pigeon. En fait, les couples de pigeons ont besoin de. Un couple de pigeons a besoin de deux trous. Ah ouais. Un trou où ils vont pondre, où la femelle pond, et l'autre trou pour le mari. Ah oui, d'accord. Tu vois? Oui. Et après, quand. Les œufs éclos, pour éviter que les petits soient étouffés, c'est pour ça que le deuxième trou sert pour l'autre pigeon. Le pigeon, ah oui. Ah oui, vraiment. Quand même, vraiment, cette structure comme ça, c'est étonnant, hein? Ouais. C'est profond, hein? Regarde. Ouais. 50 cm. C'est très profond. Ah oui. Là, t'as vu? Jusqu'au coude. Ouais, c'est pas... presque 50 cm. Ouais. Et les rochers comme ça plats, vraiment. Et en plus, t'as vu, ils sont si tu mets ta main, les trous sont pour protéger les pigeons, les trous sont en biais. Ouais. Tu vas mettre ta main, tu vas voir. Ah oui, oui, d'accord, oui, ça tourne, ouais. Ah bon, oui, ça tourne. Protège, ah ouais. Ça les protège en fait, les pigeons. Ah oui. Tu vois? Ah oui, ouais, d'accord. Très intelligent ça. Mais il y avait peu de pigeons à s'installer au rez-de-chaussée à cause des rats. Ah les rats, oui, oui. C'est pour ça que les pigeons logeaient tout en haut. Mais en fait, même si les trous du bas ne servaient à rien, en fait, ça n'avait pas d'importance parce que le pigeonnier servait à afficher la puissance du propriétaire. Donc même si les trous étaient vides sur le bas, ça n'avait aucune importance. Ouais. Tout ce qui importait, lui, au gars, c'était d'afficher sa puissance. Afficher, ouais. Après, bah, il mettait des pigeons dedans. Bah, les pigeons peuplaient en partie le pigeonnier, mais pas dans la totalité. Puisque, de toute façon, en bas, pour les pigeons, c'est trop dangereux de loger. Ah, oui. Ils logeaient toujours en haut. Donc... Ah ben, moi, je regarde cette porte, vraiment, elle est... Là, regarde, t'as vu, il y a l'histoire là. Ouais, j'ai filmé. T'as vu? Avant 1977, après, ils l'ont rénové en 1977. Allée du Colombier de Vaujoyeux. Ah ouais. Alors là, on n'a plus le plan là, regarde, t'as vu? Là, il y avait un plan là. Normalement. Regarde. Paul D'Isui, c'est le manoir de Vaujoyeux et son colombier. Tiens, on va à la maison tout à l'heure, on va regarder. Oui. Ah vraiment. Ah ouais. On remarqua que l'un des deux autres manoirs très proches, la Fontaine aux Rhin et la rue, tous les deux possédant leur colombier, mais de forme cylindrique. Ah oui, en fait, tout. On appelle ça pigeonnier, mais chez les nobles, ça s'appelait des colombiers. Colombiers. Mais ils étaient des pigeons qu'on mettait dedans. Oh, bah normalement, oui. C'est pas les dames quand même, mais bon, ouais. Ah, ouais. Oh, ouais, on va aller regarder à l'extérieur. Ouais. Ah, ouais. Ah, oui, vraiment. En plus, c'est bizarre, à l'intérieur, on ne sent pas la chaleur. Ça, c'est... On va s'éloigner un peu comme ça. On va prendre une photo. T'as vu, t'as une colombe enfin... Ouais, oh, ouais. Des colombes. Ah oui, vraiment. C'est magnifique. Comme ça au plein champ, bah vraiment c'est... Ah bah il y a le manoir qui doit pas être loin. Ah ouais, normalement. C'est le manoir de Vaujoyeux. Manoir de... comment? De Vaujoyeux. Vaujoyeux. Ah d'accord. Ah oui. Eh ben voilà. Et la région de... Comment on a dit ça? Cette région? Planguenoual. Exactement. Et bon alors voilà.